Bonjour à tous les gamers. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Jesso Gaming pour la suite de Dragon Age Inquisition. Donc voilà, on était rendu là, il me semble, la dernière fois. Enfin, il me semble, forcément qu'on était rendu là. Je vais appeler mon cheval. Et si vous vous souvenez, la dernière fois, je vais essayer de pas le spoiler. Ouais, voilà, bon. Tu m'as trahi, t'es méchant. La dernière fois, on avait changé le cheval. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc voilà à quoi il ressemble. Voilà. Bon, je fais le tour hein, quand même pour vous montrer. Voilà, donc donnez-moi vos avis. Bon, voilà, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Il y avait pas mal de sortes de cheval. Donc on pouvait changer donc sa monture. Hein. Et c'est vrai que, voilà, on avait changé la dernière fois et c'est vrai qu'il est pas mal. Bon, il est un peu spé, je vais pas dire le contraire, il est un peu spé, un peu beaucoup même. Mais bon, bah ça change quoi, c'est sympa quoi. C'est bien d'y avoir pensé quoi en fait. C'est vraiment bien d'avoir pensé à faire ça. Donc bon, voilà. Après c'est mon avis, j'ai envie de dire. Voilà. Mais bon. C'est bien quand même, voilà ce que j'ai à dire. Ils auraient très bien pu nous laisser juste les chevaux habituels, entre guillemets, et puis, sans originalité, vraiment. Et puis voilà, quoi. Mais là, ils ont quand même fait l'effort, entre guillemets, de changer les chevaux, donc c'est bien de les reconnaître, quand même. Bon, comme on est situé à côté de la faille, je propose qu'on reprend, encore une fois, notre revanche. Pas attaquer ma cible. D'accord, ok, merci. 36-15, tape à côté. Par contre, j'ai baissé d'un cran le niveau de difficulté parce qu'apparemment ça vous dérange que je galère. Donc voilà, bah, c'est pas grave, hein. J'ai baissé le niveau de difficulté pour justement moins galérer. Et du coup, passer moins de temps, entre guillemets, sur mes gameplays, sur les failles ou autre. Alors là, je sais pas du tout où je suis rendu. La caméra a énormément de mal à suivre. Ah, si on pourrait la voir, celle-là serait chouette. Ah, il reste plus que moi. Ça c'est pas cool du tout. Surtout qu'en plus elle est coincée dans un rocher là. Je sais pas si vous voyez. C'est pas super. On va essayer de réanimer quelqu'un. Je sais pas qui est par là. Varik. Il n'y a pas eu le temps. Bon, en même temps, je pense que le fait qu'elle ait bloqué le rocher aussi, ça a pas dû forcément aider parce que bon. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié si on était bien avant de partir. On est comment la famille? On est bien? On est bien. Bon, si on est bien, on va y aller. Non, en même temps, il était coincé dans le rocher, je sais pas pourquoi. Donc voilà, normalement, j'ai baissé le niveau de difficulté, donc du coup, je pense que du coup, il y aura beaucoup moins de difficultés. Après, j'espère aussi. Voilà, attaquez-le. Hop. Voilà. Allez, quasiment mort. Voilà, ça c'est fait. C'est réglé, c'est pesé. Ensuite, attaquer ma cible toujours. Bon, là j'ai la protection de Solas. Je tape à côté! Putain! Ah, bon. Allez, c'est parti. Allez, on est pas mal là. On est même très bien, j'ai envie de dire. Putain, mais elle saoule, elle a toujours bougé comme ça. Ah, elle a peur de nous quand même, hein.
Allez, on est pas mal. Allez, on est pas mal. Oui, ça s'attaque pas du tout à moi, donc c'est assez chouette. Allez. Elle est rendue où? Elle est morte? J'ai un peu de mal à y croire, bizarrement. Non, elle est là. Eh, me dites pas qu'on s'est éloigné trop et que du coup on est reparti à zéro, parce que là j'ai juste pété un câble en fait. Prends une potion, Cassandra. Ok, Cassandra est morte. Ok, c'est cool. Prends une potion. Ramène-moi Shina. Voilà. Hop, tu prends une potion. Tu prends une deuxième potion. Ah putain, je crois qu'on est... ouais, c'est cuit. S'il faut repartir à zéro, on est cuit. C'est mort. Ça sert à rien, je me batte. Ah, c'est chiant parce que voilà, les adversaires ils reculent, donc du coup nous on suit comme des cons, là, c'est clairement ça. Hein. On suit comme des cons, et puis au final, ben. comment dire, on se retrouve un peu comme des cons, voilà, comme ça. Après, faut être sûr de. Enfin, pas sûr de soi non plus, mais faut. Ouais, bah là c'est même pas la peine, c'est bien. Avec les. Avec les. Comment les. Les bandits, c'est même pas la peine. Du coup, on va aller où? On va faire quoi? On va aller au faille. Ça va être beaucoup mieux. Parce que là, si c'est déjà en enchaîne avec la faille, plus en plus les bandits, franchement, je pense pas. Je pense pas. Alors, on va prendre notre cheval. Ouais, je vais rester avec Varric. Je pense que voilà, c'est pas mal. Les bugs avec les chevaux, c'est hallucinant. Putain, sérieux. C'est dommage parce que voilà, la marche solitaire, il y a quand même quasi, il me reste quasiment en quête que des failles, quoi. Donc c'est vrai que bah, c'est quand même dommage de passer à côté. Donc voilà, quoi, autant le faire, tout simplement. Surtout que là, je suis rendu à 2 sur 3, donc c'est vrai que bon. Je vais me dire, c'est pas pour une faille qui va me casser les couilles, quoi. Enfin, je veux dire. Bon. On va y arriver quand même. Allez. On a bien, on a plus des potions, on a tout ce qu'il faut. Bon, on connaît cette faille-là. Je pense que... Juste en la voyant, vous allez dire « Ah, mais c'est cette faille-là !» Et ouais. Voilà. Je vous montre la falaise qui est derrière. Des fois que ça vous rappellera un peu plus de choses. Alors... Attaquer ma cible. Allez. On est très 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 bien. Voilà, et un de moins. Ça commence bien. Alors, ensuite, attaquer ma cible. Allez. À plusieurs. Là, c'est un petit peu cher pour toi. Je leur donne pas de directive parce que ça sert à rien, tout simplement. Allez. Allez, on est pas mal là. On est même très bien, moi je dirais. Allez. Je pense qu'au niveau des potions, on doit pas être mal non plus. Donc, on voit la barre en haut à droite. Allez, nickel. Allez, y a plus qu'à fermer la faille. Ah putain, c'est bon ça. Ça fait plaisir. Vous voyez, quand je vous disais que... Que, ouais, c'était quand même beaucoup mieux
À distance. J'avais quand même raison. Je vais juste. Je sais pas c'est quoi. D'accord. Regardez les quêtes. Bon, voilà, carte. Donc après, il nous reste celle-là. Hop. Je pense que cet épisode-là, ce sera vraiment un épisode spécial faille. Parce que j'aimerais bien, voilà. On va dire que j'aime bien faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire là, on a commencé dans les marches solitaires, donc j'ai vraiment envie de finir toutes les quêtes dans les marches solitaires, ou du moins le plus possible, avant de partir. Ah, Shina a pris un niveau, donc peut-être que si elle a pris un niveau, elle a pris une attitude. Je vais voir ça vite fait. Hop, archive personnel. Yes. Alors, capacité. Ça c'est quoi? C'est la parade que je me sers quasiment pas. Attaque surprise. Non. Vos coups blessent plus gravement les ennemis dans la santé inférieure à la vôtre. Ouais, et sinon on a là. Ouais. Et on a vos attaques à une rapidité, une prison mortelle, puis à nouveau si votre ennemi est blessé. Ok, on va prendre ça là. Appliquer. Je fais juste le tour, voir si. Bien. Cassandra non, Solas non plus, Shina non plus. Ok, donc je vais au moins améliorer une chose. Équiper les potions, parce que je crois que j'ai plus de potions comme ça. Réapprovisionner. Ah, il manque des elfidés, c'est que c'est quand même le monde à l'envers. Généralement, j'en ai plein à chier. Et là, il m'en manque. Bon, bref. Alors. Hop, on va descendre. Descendre la montagne. Hop là. Je sais plus du tout cette faille là, c'est laquelle. Je vais en réfléchir en même temps, mais j'ai du mal à voir avec quelques scènes. Hop là, c'est pas par là. Bon, regardez la carte, ça va être beaucoup mieux. Ah, ouais, d'accord. Ok, d'accord. Ouais, non, faut que je fasse tout le tour. Faut que je fasse tout le tour de la montagne. Bon, ça va pas être long normalement. Hop. Hop. On va reprendre le chemin. Le chemin qui est là. Hop, on remonte. Et la faille devait se trouver par là. La faille devrait se retrouver par là. Route de Gaulle à Fallois. Ah, ouais, d'accord, je vois. Ok, je vois. Ouais, 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 non, mais attendez, oh, vous avez vu comment il m'attaque là? Ça, je me suis mangé mais plein la gueule dans l'arrière quoi. Ah ça j'adore quoi. Franchement manger plein la gueule comme ça. Je vois rien, je sais même pas qui j'attaque hein. Franchement c'est pas ça. Voilà, ça c'est fait. Bon, on va prendre une petite potion. On est reparti. Hop, attaquer ma cible direct. Merde. Attaquer ma cible. Allez, voilà, ça c'est fait aussi. Ensuite, attaquer ma cible. Allez, franchement c'est faisable. Premier coup c'est faisable.
Allez, franchement, c'est plus que faisable. Nickel, 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 nickel. Et où la faille, frère? Ah là. C'est sûr que quand on change forcément de niveau, hein, ça devient un peu plus facile. Quoi. Mais bon, après, moi j'ai un peu suivi ce que vous m'avez dit. Parce que certaines personnes m'ont dit plutôt. Du coup, ensuite, carte des quêtes. Ocularium. Je regarde. Je vais prendre le journal, c'est beaucoup plus simple. Faille dans les bois. Ouvrir carte. Donc elle est là. Ah, c'est là qu'il y avait le fameux château. Hop, on va y aller. On va y aller faire un tour. Donc non, je pense que c'est faisable. Youhou, yeah. Hop. C'est faisable, faut juste que j'arrive un peu plus discret, on va dire, pour vraiment échapper aux ours. D'accord, ok. Ça commence très très bien. Alors, on va essayer de passer comme ça. L'autre, il me suit ou pas? Non, il me suit pas. Ok. Donc, s'il me suit pas, c'est tant mieux. Donc là, il y en a un là. Je sais pas si c'est là. C'est même que tout à l'heure. Ok, occupez-vous des ours, c'est très cool. Ensuite. Merde, je suis paumé. Oh, mais merde! Chier les ours là. Vas-y, viens, suis-moi. Emmener vers de la chair fraîche. Ah non, ils sont déjà morts. Bon, autant pour moi. Voilà, occupez-vous-en. Moi, j'ai d'autres chats fouettés, comme on dit. Ah, pas attaquer ma cible, t'arrête. Ok, 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 d'accord, ok, super, c'est chouette. Les ours qui m'emmerdent à chaque fois, putain. Je suis sûr que les ours ils doivent attaquer, je sais pas, Cassandra ou n'importe qui, c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Je vais essayer d'aller à pied. Au pire, la deuxième, merde. La deuxième, elle est où? Oh, elle est un peu plus loin déjà. Elle est un peu plus loin. On va essayer d'aller à pied. Peut-être qu'on va moins se faire voir. J'ai des gros doutes, hein, personnellement, mais bon. Qui ne tente rien, n'a rien. Donc là, déjà, je vois les points, donc déjà, c'est un peu plus facile à esquiver. Allez, on va y aller tranquillement. Sans se presser. On esquive, toujours. Voilà, déjà, il nous a pas vu. Si, il nous a vu. Allez, attaque directement. Allez. Chier, c'est comme ça. Putain, mais vous avez vu franchement le nombre de temps qu'on prend pour tuer un ours. Et forcément, il y a les autres qui me cassent les couilles, là, maintenant. Allez, hop, on prend une potion.
Retrait. Cassandra, tu prends une potion. Et on y va. Alors. Hop, c'est qui ma cible. Merde, hop, potion, c'est bon. Hop, on commence un petit coup. Oh putain, ils sont tous morts d'un coup, quoi. Ah putain. Bon. Bon, je vais essayer la deuxième faille. Je vais essayer la deuxième faille, tant pis. Au moins, ça nous fera un peu de visite en même temps. Voilà. Putain, mais les ours, ils font vraiment chier, là. Ils font vraiment chier. Alors, où se trouve la deuxième faille? On peut s'en approcher, je pense. Il y a encore un ours. Elle est là-bas. Hop, attaquer ma cible. De quoi? Déjà? Putain, mais... Allez. Putain. Hop. Putain, mais sérieusement, je sais pas si si vous jouez à Dragon Age, mais dites-moi franchement si vous avez des bugs comme ça avec vos chevaux. Vos chevaux, votre cheval, voilà, qu'on emploie son terme, mais je trouve ça juste hallucinant en fait d'avoir autant de bugs avec les chevaux. On monte à côté du cheval, clairement, on monte pas sur le cheval, non, on monte à côté, comme ça au moins c'est pas chiant. Allez, hop. Bon, ce que je vais faire ce coup-ci, alors attendez. J'attends qu'il se forme déjà. Voilà. Alors, ensuite, Varric. Tu vas t'occuper de ça. Avec Cassandra. Et. Bon, écoutez, dans ce cas-là, les tous les trois. Je sais même pas si je suis dessus en fait. Alors, attaquer.
Attaquer. C'est ok, ouais, toutes les petites machins comme ça. Là. Ça, au moins, ah, pas de problème. Ok, d'accord, je vois le truc déjà. Ok, ce qu'il n'y a que avec Cassandra, on va y aller très loin. Putain. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que maintenant ils prennent plus les potions. Je sais pas si c'est moi, mais. Ils prennent plus les potions, j'ai l'impression. Alors c'est vrai que c'est pas. C'est pas évident. Bon, c'est pas grave. J'ai essayé une fois, allez hop, c'est bon. Journal. Faille de la ferme, c'est ouais, cette loot là-bas. Trouver l'emplacement indiqué sur la carte, ouais, bon, on verra ça. Accusé Tanner à Golfe-Froid-Loire. Et Golfe-Froid, on peut pas y aller. Bon, bah écoutez, je verrai ça plus tard. Même si j'aime pas. Même si j'aime pas, comment dire, quitter un endroit quand j'ai pas terminé. Mais la carte des chutes d'eau, bah, faut, c'est des trucs à chercher. Enfin, je pense pas que je ferai ça en gameplay. Ou du moins, je mettrai des brefs moments, quoi, parce que bon, je vais pas m'amuser à faire une heure de gameplay avec en cherchant partout, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Disposition commerciale, bah c'est bloqué, je vous rappelle que la route est bloquée, on a déjà essayé, et ça, bah c'est on trouve ça sur les personnes, quoi, sur les personnes qu'on tue, donc ou les coffres ou tout comme ça, donc voilà, donc ça sera donc du coup nous je vais aller où l'entourage. Une inquisition n'est rien sans un entourage de personnes influentes et de maîtres de guerre. Le recrutement de nouveaux talents et le renforcement des liens avec eux sont essentiels pour réussir. La voie de l'inquisition. Au fur et à mesure que l'inquisition gagne en puissance, elle s'attire de plus en plus d'ennemis. Il lui faudra une volonté de fer pour sortir Tedas du chaos. Mais tel est son devoir. Moi, prochain coup, je ferai l'entourage. D'accord. Bon. On verra. Je ferai peut-être la voie de l'inquisition en fait. Ouais, je pense qu'on fera ça. Faut que j'aille à Val-Royau. Dars. Bon, on va aller sur Dars. Et puis, je vais vous laisser là, les gamers. On se retrouve pour la suite de Dragon Age Inquisition. Et la prochaine fois, on fera donc du coup une quête de l'Inquisition. Ça changera un petit peu. Hein. Et puis, puis voilà, hein, tout simplement. Donc en espérant que l'épisode spécial faille, un faille à double sens forcément, vous aura plu. Et on se retrouve très 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 bientôt pour la suite de Dragon Age Inquisition. En attendant, n'hésitez pas à venir voir mes autres vidéos, mes autres gameplays. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un petit j'aime. Et puis voilà. Allez, à bientôt les gamers.